Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvel épisode de La Ferme Aucune Limite. Donc du coup la dernière fois on avait commencé une mission, on va la terminer tout de suite après l'intro. Donc je vous dis à tout de suite. Et me revoilà les amis. Alors je me demande comment vous allez bien. Donc moi pour le coup ça va très très bien. Là franchement en ce moment ça va super. Alors tout récemment vous avez eu une nouvelle vidéo unboxing par rapport à mon stream deck, le stream deck que Ingrid m'a acheté. Donc vous avez été quand même quelques-uns, enfin surtout un qui m'a dit je vois pas trop à quoi ça sert. Alors un stream deck ça sert à quoi? Alors c'est un espèce de tableau de bord raccourci clavier, entre guillemets, c'est un espèce de raccourci en plus simplifié avec des images. Donc je vais pouvoir peut-être vous montrer tant qu'à y être comment que ça fonctionne. Donc du coup voilà. Là c'est je l'ai voilà, j'ai commencé à mettre des trucs dessus. Donc du coup par exemple si je veux couper mon micro, j'ai juste à appuyer sur la touche qui est là. Donc du coup ce que je disais, là où vous m'entendez pas du tout. Donc du coup voilà. Après les émoticônes, vous pouvez les faire vous-même. C'est vraiment super cool. Vous pouvez faire plein de choses avec. Avec ce stream deck là, donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus pratique pour des personnes qui tournent, qui fait des vidéos tous les jours, qui fait des streams très souvent. Bon bah pour le coup moi en ce moment des streams j'en fais pas tant que ça. Mais c'est surtout que ça, moi ça m'aide, ça m'évite de réfléchir à soit mettre un. Merde, il faudrait que je mette un raccourci clavier pour ça, il faudrait que je mette un raccourci clavier pour ceci. C'est relou, c'est chiant. C'est très chiant. Faut que j'avance le temps, même si de base sur cette série là j'évite, mais bon on n'a pas eu le choix pour pouvoir vendre, pouvoir finir la mission. Donc voilà, ça me facilite énormément la vie. Là franchement j'en suis tombé red dingue amoureux. Si je dois le recommander, bien sûr que oui je dois le recommander, à condition que vous êtes streamer, que vous êtes youtubeur tout simplement, que vous faites des vidéos très souvent, parce que bah, tout simplement il faut vous en servir tous les jours. Pour que ça soit rentable il faut vous en servir tous les jours. Franchement moi avec ce truc là je suis vraiment plus qu'heureux. J'ai besoin de faire une action comme par exemple couper le bureau comme vous, là vous m'entendez que moi, vous entendez plus le jeu du tout. J'ai juste appuyé sur un bouton, voilà, je rappuie sur le bouton, le son revient. Après je peux passer aussi en gros plan, donc si je veux je peux faire ça sans problème. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire un retour Windows pour aller chercher directement sur mon OBS ma scène. Tout est directement dessus, c'est vraiment super sympathique et franchement c'est juste énorme. Après pendant les lives, l'avantage c'est que pendant les lives je vais pouvoir gérer tout ce qui est son, tout ce qui est musique, vraiment tout ce qui est musique, OBS, je peux même. On peut même s'en servir avec Streamlabs pour le coup. Donc Streamlabs OBS. Donc vous pouvez modifier les alertes si vous voulez annuler les alertes ou les activer ou désactiver. Si vous voulez par exemple comme j'ai moi en ce moment sur le stream, sur les streams, j'ai un verre à côté de moi qui se trouve là normalement. Je peux configurer un bouton pour tout simplement vider le verre. Si je veux vous faire chier que je veux vider le verre. C'est pas compliqué, j'appuie sur ce bouton, le verre il se vide, et puis basta, c'est fait, j'ai pas besoin d'aller me faire chier, aller dans les paramètres, etc. Voire même sur le site de. Avec le tableau de bord Streamlabs, j'ai même jamais su comment faire pour vider le verre. Je sais même pas, je crois que la fonction n'existe même pas, donc je pense qu'elle doit exister seulement avec le Stream Deck. Et franchement, c'est top. C'est topissime, les amis, c'est topissime. Alors. Vous avez eu beaucoup, vous avez eu hier une nouvelle vidéo, non avant-hier, vous avez eu le fameux stream deck en unboxing. Alors hier vous allez dû en avoir une nouvelle encore. Donc c'est vrai qu'en ce moment vous êtes extrêmement gâtés. Et encore il devrait en avoir un autre qui devrait arriver bientôt sur la chaîne. Vous devrez en avoir un autre qui devrait arriver bientôt sur la chaîne encore, qui va compléter le matériel. Et pour le coup. Franchement ça a l'air de énormément vous plaire, je fais pas mal de vues sur les vidéos unboxing, donc franchement ça m'incite à continuer, ça m'incite à vous en faire plus, et ça franchement c'est super cool parce que moi j'adore déballer les trucs. Bon après ce qui est un peu chiant c'est que je sais ce qu'il y a dedans, donc voilà, mais bon on peut pas tout avoir non plus. Après peut-être que à l'avenir quand j'aurai par exemple des partenariats avec des marques qui m'enverront leurs produits pour vous les présenter,
Il y a de grandes chances que je sache pas qu'est-ce qu'il y a dans les colis, donc je pense que là je serai même encore plus enthousiaste parce que je saurais pas du tout ce qu'il y a dedans et je serais super super excité. Bon là pour le coup je sais ce qu'il y a dedans, bon voilà quoi. Mais bon, rien que le fait de vous le faire découvrir avec moi, parce que généralement quand je reçois un colis, comme je l'ai déjà dit, quand je reçois un colis, je regarde le contenu. Je déballe pas tout hein, mais je regarde au moins le contenu, voir si à l'intérieur c'est pas abîmé. Si à l'intérieur c'est abîmé, par contre là il faut vraiment tout déballer pour vérifier que tout est en bon état. Ou alors, et autrement, bah, si le colis déjà extérieur est en bon état, pas besoin de l'ouvrir. S'il est en mauvais état, faut ouvrir, faut regarder ce qu'il y a dedans, si le contenu est abîmé ou pas. S'il est pas abîmé, c'est pas la peine d'aller plus loin pour le moment si vous faites des vidéos comme unboxing comme moi. Ou alors s'il est abîmé, bah pour le coup, il faut tout simplement l'ouvrir hein, pour voir exactement si ce que vous avez acheté fonctionne. Alors pour le coup, et du coup ici nous on a fini la mission, donc on va nous revenir à 2000 euros, donc j'ai récupéré le contrat. Alors pour le coup, vu que j'ai avancé le temps, est-ce que niveau culture chez moi, comment que ça se passe? Donc c'est toujours en cours de croissance. Bon, je crois que tout à l'heure, avancer le temps, ou alors on se fait encore une mission les amis. Parce que là, après, c'est chiant, parce qu'on va tourner en rond, en fait. Ça va être chiant. J'ai pas envie de vous faire de la culture. Parce que si je vous fais trop de boissons, après, là, on va avoir 3 champs à récolter. Ça risque d'être casse-biante pour vous. Je crois qu'on va avancer le temps, les amis. Attends, parce que pour les œufs. Alors, je sais pas ce qu'il a mon jeu en ce moment. Il rame. Il a des petits moments d'absence. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est mon dossier cache qui doit être... qui le dit, ou alors c'est un mode. C'est un mode qui fait chier. Pourtant il est pas activé sur la partie, mais bon. Ah si, c'est 2 cartons. Normalement, je n'ai plus d'autres. Hein. Les poules, tiens, qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce que les poules ont besoin à manger? Vous voyez, je sais pas ce qu'il a. C'est chiant. Oh non, on n'a rien besoin. Bon bah pour le coup, on va avancer le temps. Je vais arrêter le moteur. Là, on arrête la guirlande, on va aller voir jusqu'au premier champ. Normalement, j'en ai un à moi qui est juste là, qui est de peur. Exact. Non, c'est pas moi celui-là. C'est celui qui est à côté. Voilà. Alors, normalement, on avait tout fertilisé. Ah non, il manque une fertilisation. Il manque une fertilisation. Ah bah, on va pouvoir faire ça. Ah oui, effectivement, il manque une fertile. Il manque une fertile. Ah non, du coup. Attends, parce que là, sur le 3, il a besoin de chaud. Ah merde, le 3 il aura eu besoin de chaud. Bon, il faudra penser à faire ça le prochain coup. Bon bah du coup on va fertiliser ça. Donc on va sauter dans le tracteur. On va aller chercher le tracteur, on va lui mettre les roufines. Et puis on va aller pulver. Parce que attends, c'est quoi c'est. Non parce que j'ai pas de pulvé moi. Ah si, j'ai un pulvé, il est là. Pulvé ou les pondeurs engrais? Pondeurs engrais. De toute façon j'ai quoi en stock? Ah bon, on va faire pulvé parce que j'en ai en stock. Hop. Donc pour le coup voilà, donc, on va aller faire ça vite fait. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos. En même temps je peux parce que évidemment vu que j'ai réduit au niveau des lives, bah, ça va dire que c'est à peu près, c'est grosso merdo, c'est un peu le compromis parce que tout simplement, si je vous fais pas, de vidéos, enfin si je vous fais plus de streams, automatiquement j'aurai moins le temps de, j'aurai moins le temps de faire de vidéos, donc pour le coup, donc je préfère... Putain! Mais non, je veux pas le chargeur! Hop! Bon, est-ce que là, il va prendre le chargeur? Non, c'est bon, il prend le tracteur. Alors déjà, on va le réparer, tant qu'à y être. Configurer, on va le mettre en roue fine. Voilà, configuré. Paf. Hop. Donc du coup, voilà. Donc c'est un peu compromis. Donc évidemment, il y aura à l'avenir, vous aurez peut-être un stream supplémentaire dans la semaine. Mais pour l'instant, je suis encore en cours d'organisation. C'est vrai que les plannings dans la catégorie à propos sur la chaîne et sur le Discord ne sont pas du tout à jour pour l'instant. J'ai pas envie d'y toucher parce que moi-même je sais pas comment. Déjà le live du samedi c'est ok, mais le deuxième live, je sais pas quand le faire. Je sais pas si je le fais le mardi soir ou si je le fais un autre jour dans la semaine. Du coup, tiens, dites-moi dans les commentaires, les amis,
quel jour dans la semaine ça vous plairait le plus d'avoir un live. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai envie que vous soyez présent sur le stream, parce que voilà, j'ai pas envie de faire un stream de 2h, 3h pour uniquement une dizaine de personnes. Pour moi, ça vaut pas vraiment le coup, même si 10 personnes c'est déjà pas mal, mais je sais que par habituellement, enfin ces dernières semaines, on était quand même, j'avais plus entre 20 et 30 personnes, donc c'est cet axe de personnes là que je cherche à voir, qu'on reste tous ensemble en fait sur le stream. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, si on est moins de monde, c'est parce qu'il y a sûrement des raisons, c'est soit parce que ils ont suivre, vous suivez un autre youtubeur et que vous préférez aller le voir plutôt que moi, chose qui est normale. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, les amis, quel jour vous souhaitez le plus me voir en live, pour que vous puissiez être présent, tout simplement, parce que c'est vrai que vous étiez quelques-uns des fois à me dire merde, j'ai loupé le live, j'ai pas pu être présent. Ah merde, c'est l'herbicide, j'ai pas pu être présent parce que j'ai pas pu être présent parce que tout simplement vous avez pas eu le temps, vous avez du monde chez vous, ou je sais pas, bon, chacun a ses raisons, vous êtes à l'école, chacun a ses raisons. Après, pour le coup voilà, moi je peux pas me mettre à votre place, je ne peux pas savoir, de toute façon je pourrais pas non plus je pourrais pas satisfaire tout le monde. Malheureusement, je pourrais pas satisfaire tout le monde. Mais merde, mais je t'emmerde, toi, putain! Oh, bidon la con! Tiens, dégage. Ah, et pourquoi maintenant il veut plus charger celui-là, mais... Oh, mais tu m'emmerdes. Bon, attends, on va le sortir le plus levé, ça va être plus simple. Je vais sortir le bec, comme ça, moi. Donc, du coup, voilà, j'espère que j'aurai assez, au moins. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, je me souviens. Par rapport au stream, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question, les amis. Donc je poserai encore la question dans quelques-unes des vidéos pour voir un peu combien de temps vous me suivez. Donc si vous répondez à ma question, ça veut dire que vous suivez au moins 10 minutes, c'est déjà pas mal. C'est surtout pour pouvoir faire un stream, qu'on soit tous ensemble, qu'on passe des bons moments ensemble. Et tout simplement passer une bonne soirée, tout simplement, voilà. Parce que c'est vrai que bon, c'est bien d'être d'avoir un peu de monde, mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu chiant qu'il y ait personne. Parce que tout simplement, parce que vous pouvez pas être là, donc du coup c'est peut-être moi aussi qui ne fais pas les lives au bon moment. Donc c'est pour ça que je me posais la question, c'est pour ça que j'avais envie de vous poser la question, tout simplement. Bon, sur ce, les amis, pendant que je passe le pulvé, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire dans le même épisode, je vais lire les 4 commentaires que vous m'avez donnés sur l'épisode dernier. Donc, on va commencer par Kimi qui me fait coucou GG, et le like d'habitude de ma part. Je crois que t'oublies comme. Mais c'est pas grave, mais merci pour ton like. Coucou à toi, Kimi, j'espère que tu vas bien. Poku, moi, ça va très bien. Et super sympa pour ton like, tu me laisses à chaque fois un petit commentaire. Bon, je me demande si tu me fais pas un copier-coller, parce que c'est la même phrase. Mais bon, enfin ça c'est pas grave. On va continuer avec Jika qui me fait cool la vidéo, ça fait longtemps que je suis pas venu, moi. Alors oui, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas vu un de tes commentaires de ta part. Jika, franchement ça fait plaisir que tu reviennes. Ça veut dire que le contenu te plaît toujours, donc franchement ça me fait plaisir. Et pour le coup, j'espère que ça va durer comme ça un bon moment. On va continuer avec Chelsea qui me fait bonne vidéo, plus un like. C'est quoi ton prochain achat sur cette série? Alors, mon prochain achat sur cette série, pour te répondre, Chelsea, ça sera, je pense, les vaches ou les moutons. Donc, je sais pas trop, c'est à voir. Mais bon,
On verra ça par la suite. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait encore. Donc du coup, voilà. Et merci pour ton like aussi. Ça fait super plaisir. Donc après, on va continuer avec Mr. Specter qui m'a fait... Salut GG, il faut que tu revoies tes sons, ta voix et le jeu beaucoup trop faible. Le son de la coche pour la boue, du coup, te pète l'oreille car il faut mettre bien trop fort. Alors... Oui, c'est vrai que j'ai eu un bug à ce moment, enfin même j'ai eu, peut-être pour ceux qui me suivent, pour chaque vidéo, vous avez dû remarquer que j'ai eu plusieurs bugs au niveau sonore. Alors j'ai eu, à un moment donné, sur l'épisode de lundi, j'avais carrément pas de son de jeu. Alors je me suis rattrapé avec mes conneries, avec la fameuse magie du montage, j'ai réussi à me rattraper, mais pour le coup... Pour le coup, voilà, donc c'était juste en fait mon OBS en fait qui avait décidé de plus capturer le son du jeu. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, je me suis aperçu ça que pendant le montage. Je me suis pas aperçu ça avant. Donc du coup, je me suis retrouvé comme un con. Mais bon, j'ai réfléchi, puis bah, j'ai réussi à travailler ça comme je pouvais. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez drôle, le montage que j'ai réussi à faire. J'espère que vous, ça vous a plu. Parce que franchement, je trouve que c'est assez comique. Surtout avec mes conneries, c'est super, ça va super bien ensemble. Donc je pense que je le referai même volontairement, parce que là c'était plus involontaire que volontaire. Mais je pense que je vais essayer de le refaire volontairement, histoire de donner un peu d'animation, un peu de changement que de ce que pouvait avoir habituellement sur la chaîne. Donc du coup voilà, et bah d'ailleurs merci Specter pour ta petite observation, franchement. Voilà, c'est des petits commentaires comme ça qui sont intéressants les amis. Si vous remarquez des bugs à la con comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Parce que des fois, je n'ai pas forcément m'en rendre compte. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, au niveau de mon casque, parce que pour vous, ça paraissait, ça vous pétait les oreilles. Mais pour moi, ça ne me pète absolument pas les oreilles. Pour moi, ça paraissait à peu près normal. C'était. Voilà, je n'ai pas détecté de bug particulier, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous me disiez. Que vous me dites si vous repérez un truc. Que vous me dites quoi exactement. Évidemment, il faut que ça soit instructif. Il ne faut pas que ça soit du style. Ah, tu fais de la merde, c'est du n'importe quoi. Voilà, ça ce genre de conneries, ça sert strictement à rien. Tout ce que vous allez gagner, c'est vous faire déjà le commentaire, il va être supprimé. Et puis en plus de ça, bah, au prochain live, j'ignorerai vos messages si vous venez. Donc du coup, voilà. Alors après, on va continuer avec ETA le fermier d'aujourd'hui qui m'a fait « Si tu cherches une map, je te conseille la map de AgriFrance V3 ». Alors pour le coup, oui, alors c'est grâce, je crois que c'est en partie grâce à toi le fermier que je vous ai présenté vendredi dernier la map AgriFrance V3 parce que voilà, vous étiez quelques-uns à me la réclamer, vous étiez quelques-uns à m'en parler, donc du coup ça a un peu égayé ma curiosité, j'avais envie de voir quand même qu'est-ce que c'était, parce que AgriFrance V3, j'avais déjà entendu parler de nom, j'ai entendu dire que c'était une bonne map, voilà, etc., il y avait des belles choses dessus, donc c'est pour ça que j'ai voulu aller voir de moi-même, faire mon propre avis, et puis tant qu'à faire, vous la présenter aussi en vidéo. Donc du coup voilà, donc franchement j'en suis très content, c'est vrai que c'était une très très belle map, enfin c'est une très très belle map pour le coup, et je pense que peut-être à l'avenir que je jouerai dessus. Peut-être que je jouerai dessus, donc après à voir. Donc du coup bah, c'était toi le dernier commentaire, donc pour le coup j'ai pas d'autres commentaires, donc franchement voilà voilà, c'est cool, c'est cool, pardon, tac, hein. Donc évidemment aussi, pour revenir un petit peu au live, de ce que je disais tout à l'heure, je vais quand même essayer de vous faire assez rapidement, de vous faire un deuxième live dans la semaine. Mais après ça dépend beaucoup de mon emploi du temps, parce que vu qu'Ingrid travaille, il faut que j'arrive à m'organiser en conséquence. Le week-end, bah, le samedi du coup vous en avez un, mais après ça peut arriver que vous en avez pas, parce que pour la simple et bonne raison que voilà, j'ai une vie sociale, donc oui ça paraît pas hein, mais oui j'ai bien une vie sociale, et pour le coup bah, peut-être qu'avec des amis on a envie peut-être de sortir aussi, de sortir un peu entre nous pour se détendre, comme j'ai déjà fait, et pour le coup c'est possible qu'un samedi bah, je vous dise tout simplement sur Discord, bah, il n'y a pas de live ce soir, donc s'il n'y a pas de live, bah c'est pas là, voilà voilà. C'est tout con. Donc c'est pour ça. Après, je vais essayer de m'arranger. Si je fais pas un live le samedi, je rattraperai le live soit le dimanche soir, ou alors je le ferai dans la semaine.
Donc pour le coup, ça vous fera deux dans la même semaine, en dehors du week-end. À voir, je sais pas comment. Bah, je vais essayer de m'arranger pour que vous soyez, bah, pour que vous ayez vos lives. Parce qu'apparemment, vous avez l'air de bien aimer ça. Bon, sur ce, les amis, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. Et puis moi je vais vous dire. Salut, chien!